Comment réaliser un graphique en SVT? Tout d'abord, repérez dans les données fournies quelle variable varie en fonction de l'autre. Si on prend un exemple simple, la vente de pulls en hiver par rapport aux températures en hiver. Est-ce que c'est parce qu'on achète des pulls qu'il fait froid en hiver ou est-ce que c'est parce qu'il fait froid qu'on achète des pulls? C'est bien évidemment la deuxième solution qui est la bonne. C'est parce qu'il fait froid que l'on achète des pulls. Ce qui signifie que la variable qui dépend de l'autre, qui sera en ordonnée, c'est-à-dire verticalement, c'est la vente de pulls ici. L'autre donnée, la température en hiver, sera en abscisse, horizontalement. Ensuite, il faut repérer les valeurs minimales et maximales afin de préparer les axes. Si l'on regarde le résultat des ventes de pulls dans un magasin l'hiver dernier, on voit que la température en hiver varie de plus 10 degrés à moins 15 degrés et que le nombre de pulls vendus varie de 2 à 25. Ensuite, il faut concevoir une graduation raisonnée en fonction des données. En abscisse, horizontalement, on varie de plus 10 degrés à moins 15 degrés, donc une variation de 25 degrés. Si on prend la largeur d'une feuille de papier de 18 cm, le calcul de l'échelle sera 18 cm divisé par 25 égale 0,72, ce qui signifie que 1 degré sera représenté par 0,72 cm. Ce qui n'est pas très pratique. Comment faire pour simplifier l'échelle? Si on prend 1 cm pour 1 degré, dans ce cas, on va dépasser de la feuille, puisque notre feuille fait 18 cm et qu'on a 25, dans ce cas-là, degrés à mettre. Il faut donc prendre toujours une valeur simple, plus petite. Prenons 0,5 cm pour 1 degré. De la même façon, pour les ordonnées verticalement, le maximum des ventes est de 25 pulls. Il ne peut pas y avoir de vente négative, évidemment. Si on prend 10 cm de haut sur notre feuille, l'échelle sera de 10 divisé par 25 égale 0,4. Donc un pull correspondra à 0,4 cm sur notre échelle. Ensuite, il faut tracer les axes à la règle, au crayon de papier, en n'oubliant pas les valeurs négatives dans notre exemple. L'habitude est de mettre l'axe vertical au niveau du zéro de l'axe horizontal. Ce n'est pas nécessaire parce qu'on voit ici que notre axe vertical va bloquer la vision des données sur notre graphique. On peut très bien décaler l'axe vertical au début de l'axe horizontal sans aucun problème. On n'oublie pas évidemment de mentionner ce qui est représenté en ordonnée et en abscisse. Maintenant, il faut tracer les points sous forme de petites croix au crayon de papier. Donc, pour moins 15 degrés, on a 25 pulls vendus. On a placé la croix. Pour moins 10 degrés, on a 12 pulls vendus. On place la deuxième croix et ainsi de suite pour toutes les données. Puis, on relie les points à main levée ou à la règle. Il faut mettre un titre. Ici, c'est le nombre de pulls vendus en fonction de la température en hiver. Les critères de réussite. Est-ce que les axes ont été tracés à la règle et au crayon? Est-ce que la graduation est raisonnée? Est-ce que le report des points est exact? Est-ce que le graphique est propre? Est-ce qu'il y a un titre sur chaque axe avec les unités? Et est-ce qu'il y a un titre général? Vérifions notre travail. Nous avons bien les axes qui sont mentionnés, avec une échelle, avec un nom pour chaque axe et une unité. Les points ont été reportés correctement et nous avons bien un titre général. Nous avons donc validé tous les critères de réussite. Maintenant, c'est à vous de jouer.